like a scene from a movie. Hier, on m'a dit « Je sais pas me faire des amis ». C'était la nuit et moi j'étais sur Roblox en train de chercher un jeu pour aller avec une musique pour ma chaîne secondaire. Celle où je poste juste des clips vidéo de musique où voilà, je parle pas et juste on entend la musique et puis on me voit faire des trucs, soit un mini-movie, soit autre chose, enfin bon bref, peu importe. J'étais en train de... je sais pas, divaguer sur Roblox, comme ça, au pif un peu, je tape des mots et puis je cherche un jeu. Et j'ai été rejointe en fait par un chouchou, mais depuis super longtemps, enfin qui me suit depuis super longtemps. Il a réussi à me rejoindre en jeu parce que mes paramètres étaient ouverts. Et il, voilà, on a commencé à jouer ensemble sur un jeu qui n'est pas du tout celui que vous êtes en train de voir, un autre. Et puis finalement, j'ai décidé de partir sur un autre jeu. Et il m'a suivi. Et là, par contre, c'est celui sur lequel... c'est celui que vous êtes en train de voir. Et alors là, c'était marrant parce que... On a commencé à vouloir... C'était un tycoon, en fait. Je savais pas du tout en cliquant dessus que c'était un tycoon. Donc forcément, au début, on n'a rien. Et donc, j'ai repéré dans les autres joueurs une personne qui avait l'air super riche. Et j'ai... Ben oui, j'ai voulu profiter, quoi. Donc j'ai commencé à parler dans le chat sans savoir si c'était français, en disant bah, « Tiens, si on allait voir le verre !» Sauf qu'on n'y arrivait pas, tout ça. Et en fait, c'est celui que vous voyez là, c'est Coco Ben, donc coucou Coco Ben, qui a fait tous les efforts pour venir me récupérer sur mon île et pour l'île de ce jeu, quoi, du Tycoon, et pour m'emmener voir la sienne. Et c'est juste formidable. Vous allez le voir tout au long de la vidéo, je vous laisse regarder. C'est pas ça le sujet de la vidéo, hein. je vous mettrai le lien du jeu en description, mais c'est pas du tout ça le sujet de la vidéo, c'est hier on m'a dit je sais pas me faire des amis. Eh bien il se trouve que moi non plus je sais pas du tout me faire des amis, dans la vraie vie en tout cas je suis un peu maladroite pour ce genre de choses, et pourtant vous le savez j'ai plus de 12 000, 13 000 demandes d'amis sur Roblox, j'ai plein de chouchous abonnés, et plein d'amis sur Discord, des amis avec qui je discute, voilà, souvent, tous les jours, en tout cas sur mon serveur, et puis très régulièrement, en tout cas avec les amis que je côtoie le plus. Alors vous allez me dire, mais oui, c'est facile, toi tu fais des vidéos YouTube, donc après tout le monde veut être ton ami. Et mais c'est pas forcément comme ça que je vois les choses en fait. Regardez là, en fait, dans la vidéo, vous voyez déjà un de mes abonnés qui est là depuis super longtemps, mais Coco, en fait, il me connaissait pas du tout. Et pourtant, il a bien voulu voilà, venir me chercher, me faire visiter son île. Et j'ai trouvé ça mais tellement adorable. Je me dis que lui, il doit savoir comment se faire des amis. Parce que j'ai de suite eu envie d'être son ami. Regardez, il partage quelque chose avec moi. Il partage sa passion. Hein, ça fait super longtemps qu'il fait son île. Et j'imagine que voilà, ça lui demande du temps. Il est très très sympa d'avoir voulu partager ça avec moi. Et je pense que c'est ça le secret en fait pour se faire des amis. On est souvent nombreux à être tout seul. Parce que c'est quelque chose que j'entends souvent. Hein. Je ne sais pas me faire des amis. En fait, on me l'a dit, mais on me l'a dit plein de fois. Et je pense que c'est une des choses qu'on partage tous, à part quelques-uns qui vraiment sont très facilement très entourés. Vous êtes nombreux, je pense, les chouchous, à être tout seul et à pas savoir vous faire des amis. Et en fait, ce que je vous dis en général, c'est regarde autour de toi, parce que tu vas avoir d'autres personnes qui sont toutes seules aussi, qui savent pas se faire des amis non plus. Et on est plusieurs à être tout seul, donc on peut devenir amis. Alors bien sûr, on va pas devenir forcément ami avec le premier tout seul rencontré, parce que il faut avoir soi-même déjà quelque chose à partager, mais ça c'est sûr que vous avez forcément une passion, vous avez des goûts pour du goût pour un truc en particulier ou même plusieurs choses. Et bien dans les autres tout seuls autour de vous, il y a, c'est certain, des personnes qui ont les mêmes goûts que vous, les mêmes choses à partager. Il faut être prêt à partager ses passions. Ne pensez pas que vous avez des passions nulles, un peu ridicules, pas intéressantes. Ça aussi, je l'entends régulièrement. J'ai une passion claquée au sol.
Alors ça, c'est Coucou Louloukinou qui me dit ça régulièrement parce qu'il adore les parcs d'attractions. Mais non, ta passion, elle n'est pas du tout claquée au sol. Elle est vraiment chouette. Moi, j'adore venir me balader dans les parcs d'attractions. Et donc, c'est pas du tout une passion, claquée au sol. C'est pour ça qu'on est amis aussi parce que, voilà, j'aime qu'on partage des choses avec moi. Et c'est toujours hyper agréable, en fait, de rencontrer quelqu'un qui partage sa passion. Donc, comment se faire des amis? Comment arrêter de se sentir tout seul? Eh bien, il suffit de regarder autour de soi, trouver les autres personnes qui sont peut-être un petit peu seules et accepter de vous ouvrir, peut-être commencer à discuter un petit peu et puis jouer, vous amuser, et prendre du plaisir à être ensemble. C'est pas évident. Parfois, on a envie d'être seul. Ça veut pas dire qu'on n'a pas d'amis. Ça veut juste dire que à ce moment-là, on a envie d'être tout seul. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. On parlera de la solitude. Donc, si tous ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à suivre cette série de Hier, on m'a dit. Alors, j'ai commencé la semaine dernière à le faire. Alors, c'est drôle parce que vous comprenez pas toujours que ce sont des choses qu'on m'a dites et pas des choses que je dis moi. C'est rigolo sur la première vidéo où c'est peut-être pas la première vidéo, la vidéo du coming out. Alors j'ai eu plein de témoignages de personnes qui m'ont dit tu es courageuse de faire ton coming out. Non, c'est pas moi qui suis courageuse, c'est le chouchou qui m'en a parlé, qui a été très 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 courageux de faire son coming out. Et moi, je n'ai fait qu'un petit coming out de rien du tout où j'ai révélé à mes parents que je voulais pas, que je suivais pas les bonnes études. C'était pas du tout une révélation aussi importante que celle du chouchou. Il y a eu aussi la vidéo de je suis moche. Alors, vous avez été hyper mignon parce que vous êtes adorable à me dire, mais non, la dame, t'es pas moche. Mais c'est pas moi qui le dis. Je suis capable de le dire, bien sûr, de dire je suis moche. Et comme plein de personnes qui ne sont pas moches du tout et qui disent, voilà, qui me disent ou qui disent, voilà, qui vous disent à vous, vos amis peut-être, qui vous disent, ah, mais moi, je suis moche. C'est voilà, c'est un hier, on m'a dit. Hier, on m'a dit, je sais pas me faire des amis. Il va y avoir d'autres hier, on m'a dit sur ma chaîne. J'ai eu plein de réactions positives et vraiment, je vous en remercie. C'est un peu inattendu. Enfin, je sais pas trop. Voilà, je me suis lancée dans cette aventure et j'ai l'impression qu'elle vous plaît. Je laisse la vidéo se poursuivre parce que tout en bavardant avec vous, ouais, j'aime bien discuter avec vous. J'ai l'impression d'être en vocal sur le serveur Discord. Sauf que là, il y a juste personne qui me répond. Je laisse la vidéo se poursuivre parce que c'était une visite hyper chouette. Vraiment, merci à Coco Ben de m'avoir fait visiter son île. Merci à mon petit loup d'être venu jouer avec moi. On joue sur Island en ce moment. On construit l'île. Et c'est toujours une chouette aventure de jouer avec vous. N'hésitez pas à venir sur le serveur Discord. C'est vraiment l'endroit où je suis le plus souvent. Essayez de garder ouverts vos paramètres pour les notifications, pour les mentions everyone ou pour ce genre de choses. On est amis sur Discord, j'adore discuter avec vous. J'arrive des fois, je débarque et vous êtes toujours surpris de mon arrivée. Eh bien oui, je suis là. C'est l'endroit où je suis le plus souvent. Attention, il y a un faux compte TikTok qui circule et sans doute des faux comptes Instagram aussi. Voilà, ça, peut-être que je ferai une autre vidéo à ce sujet. Les chouchous, je vous dis à bientôt, je vous dis salut, je vous adore. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, évidemment. Allez, salut les chouchous!